Avec tous les outils dont équipé le lycée, on a de quoi travailler et apprendre dans de bonnes bases. Donc il faut de l'implication, il faut de la volonté, il faut de l'envie, il faut des élèves motivés. L'atelier, ouais, c'est les heures les plus intéressantes. Travailler sur des tracteurs ou des moissonneuses-batteuses, ouais, c'est très intéressant, surtout avec les nouvelles technologies, l'électronique. En mécanique agricole, ce sont des pannes qui sont complètement différentes d'un jour à l'autre, que ce soit hydraulique, électrique, mécanique. On a 22 semaines de stage durant le bac, et là on peut mettre en pratique ce qu'on a appris. On peut venir au lycée pour découvrir une journée type d'atelier, voir ce que les élèves font et voir les machines sur lesquelles ils travaillent. Donc quand on parle du lycée Claude Léhec, c'est sûr que ça aide pour trouver des stages. Ouais. À la sortie du bac pro, on peut espérer avoir un travail.